Tôt le matin, nous sommes déjà à l'air frais. Nous nous promenons dans clairières et des prés fleuris, nous cueillons des fruits des bois, nous écoutons le gazouillement des oiseaux et le clapotis des ruisseaux. Et ainsi jusqu'au crépuscule, lorsque tout le village plonge dans un silence insolite. A écrit dans le livre d'impression un juriste de Belgrade qui a passé ses vacances avec sa famille dans la région de Kosjerić. Des centaines de touristes de Serbie et ceux de l'étranger, toujours plus nombreux, louent l'offre des hôtes à Seča Reka, Skakavci, Mionica, Varda, qui les accueillent à bras ouverts. Ici s'est maintenue la belle coutume d'accueillir les invités en leur servant de l'eau fraîche de source et de la confiture faite maison, tandis qu'en partant, ils emportent un pot de confiture et des laiteries. Ce sont des spécialités de la cuisine serbe grâce auxquelles les étrangers se souviennent de nous. Dans cette région, certains hôtes gardent encore des journaux jaunis du monde entier de 1985, lorsqu'un premier groupe de journalistes touristiques de 20 pays a visité ces villages qui ont ouvert les portes aux touristes. Dans la région de Kosjerić, au pied de la montagne d'Ivčibare, à 130 km de Belgrade, entre Valjevo et Užice, est né le tourisme rural en Serbie. Les amateurs de la nature qui viennent de milieux urbains disent être fascinés par la beauté de la nature, des versants onduleux, des montagnes et des collines, des prés et des pâturages qui s'étendent à perte de vue, de nombreuses sources et de chutes d'eau qui gambadent et qui sont les plus nombreuses dans le village nommé Skakavci, en français sauterelle. Le mode de vie traditionnel s'est maintenu dans les villages et les hôtes souhaitent garder leurs belles coutumes dans les agglomérations touristiques dont la construction est à venir. Une telle agglomération sera bâtie dans la montagne d'Ivčibare. Le repos actif des touristes comprend différentes activités. La marche à pied, les excursions, la pêche, la cueillette de champignons ou de plantes médicinales, les travaux des champs avec les hôtes. Beaucoup de femmes ont profité de cette semaine ou de deux de vacances à la campagne pour apprendre à tricoter, broder, certaines même à tisser. Des ateliers de poterie sont organisés car dans la plupart des maisons, les repas sont préparés non seulement selon des recettes qui datent de plusieurs siècles, mais aussi dans des récipients en terre cuite, tout comme jadis. Dans la commune de Kosjerić, il y a une vingtaine de gîtes catégorisés qui disposent d'une centaine de lits. Dans l'organisation touristique locale, on dit que la combinaison ethno-écologique est ce qui caractérise cette région. La belle nature rend possible le développement du sport récréatif ainsi que des programmes de mise en forme comme philosophie de vie. On y cultive également les coutumes et le retour à la tradition. La protection de l'environnement et la nourriture saine sont très importantes. Tout cela sera toujours prioritaire dans la région de Kosjerić. Les hôtes serbes disent que la clé du succès est de ne pas imiter la campagne mais de vivre à la campagne. Les habitants de Kosjerić cultivent des fruits et des légumes organiques dans un environnement d'air pur, non pollué, et chaque année, les touristes, surtout ceux de l'étranger, ont l'occasion de se délecter de la nourriture au bel arôme et au bon goût.